paraît que t'as des propos intolérables. Où il n'y a pas de tolérance. Enculé de ta race. I have come here to chew bubblegum. J'ai l'impression d'être un unijambiste dans un concours de coups de pied au cul. Salut à tous et bienvenue dans Retour vers le Turfu, le podcast de la pop culture passé, présent, futur. Retour vers le Turfu est le podcast traversant différentes époques à la recherche du meilleur long métrage de tous les temps. Chaque mois, un film est tiré au hasard dans la liste. Liste qui est composée de suggestions de nos auditrices et auditeurs. Et en plus de décortiquer le long métrage, nous en profitons pour parler de la pop culture, JV, musique, actu, box-office, au moment de sa sortie. Aujourd'hui, on va vous parler du film Bienvenue à Zombieland de Ruben Fletcher, sorti en France le 25 novembre 2009. Et avec moi pour causer de la pop culture en France à cette période, pour cette première partie de l'émission 47, Vivien. Girlfriend, yes or no. Pezzo. Girlfriend, yes or no. Yuna. Girlfriend, yes or no. Et Jean-Baptiste à la technique. Bonsoir. Et en invité, cette fois-ci, nous avons Nelson du podcast Le Début de la Fin. Salut Nelson. Larence. Et c'est parti tous dans la Twingo magique. Cinéaste sera resté 2 mois derrière les murs de cette prison de Winterthur dans la banlieue de Zurich. Ce soir, ses avocats indiquent que Roman Polanski, souffrant et fatigué, est soulagé par cette décision. Le tribunal fédéral suisse a assorti cette liberté de conditions censées limiter le risque de fuite. La mise en place d'une surveillance électronique, mais surtout le versement d'une somme de 4,5 millions de francs suisses, 3 millions d'euros. C'est parti, chaud, tout le monde danser, tout le monde. Je veux du sexe. Faut-il ensuite trouver un travail à un âge où on aimerait plutôt partir en retraite. Certains anciens détenus ont fait des efforts pour s'en sortir, mais ils ont échoué. Alors, ils peuvent effectivement se dire à ce moment-là que finalement, la vie en prison, ce n'est pas si mal. Il a volé, mais il est tombé à l'eau. L'homme volant avec son aile à réaction qui cherchait à relier l'Afrique à l'Europe par Gibraltar a manqué son pari. Oups. Voilà, des belles, quand même des belles nouvelles. Hein, la prison, finalement, c'est pas si mal. Pas si mal. 2009, ça vous évoque quoi? La tectonique. Oh merde. Non, c'était déjà mort. C'était déjà mort. C'est mort en 2007. Non, c'était pas encore mort. Si. La tectonique, en Loire-Atlantique. Attendez, recentrons le débat. La tectonique, ça a commencé quand? En 2003, 2004. Non, c'est mort en 2007. C'est la mort de la tectonique. Ça a commencé sur Paris, genre 2002, 2003. C'est ça. Et ça a fini. Bon, par contre, c'est resté vers chez nous jusqu'en 2010. Quoi. Non, tu te trompes. 2010, ça, c'est faux. Fini, mec. Non, 2010, j'avais 12 ans, j'étais au collège. Je me souviens qu'à partir du collège. Ah, non, la dernière année où c'était hype, c'était mon année de CM2. Donc, ça devait être. En 2008. 2008-2009. Question pour ceux qui auraient loupé la tectonique, par exemple. C'est de la merde. Comment caractériser la tectonique? Laurie. Laurie, absolument pas. Si elle a fait la tectonique. Je vais vite, je m'entraîne. Il y avait un groupe qui s'appelait Mondotech. Non, il y avait Yel aussi. Ouais, Yel. Oui. Ah, merde. En fait, c'était. Ah, mais là, c'était le début de la fin, là. Oui. Les messages subliminaux dans cette émission, c'est ouf. Incroyable. On verra qu'il y a un film également qui en abuse et en surabuse. Mais avant tout, on va faire un petit listing des films de 2009, vu que David n'est pas là. Déjà, on avait District 9 de Neil Blomkamp, qu'on avait traité dans le numéro 34 de Retour vers le Turfu avec Grand Poil. On avait Mother de Bong Joon-ho, Marie et Max de Adam Elliott, Là-haut de Pete Docter et Bob Peterson, Fantastic Mr. Fox de Wes Anderson. On avait La Vague, dit Véleux, de Denis Gansel, Antichrist,
qui est très très fun, de Lars von Trier, Un prophète de Jacques Audiard aussi, qui est très très bon, Gran Torino de Clint Eastwood, Inglourious Basterds de Quentin Tarantino, Des mineurs de Kathleen Bigelow et L'étrange histoire de Benjamin Button et David Fincher et plein d'autres films. On avait également Avatar de James Cameron, mais c'est aussi l'année de sortie de Coco de Gad Elmaleh, Cyprien avec Mouloud Achour et Elise Moon, G.I. Joe, Le réveil du cobra, X-Men Origins Wolverine et Neuilly sa mère. Voilà du cinéma. Ah mais je... Ouais. Film de merde, je comprenais pas. Enfin, j'ai un peu vomi dans la bouche. Le point actuel de RVLT. Au gros titre de ce 25 novembre 2009, la justice suisse approuve la libération sous surveillance du cinéaste Roman Polanski suite à son arrestation le 27 septembre 2009 aux frontières suisses alors qu'il se rendait au festival du film de Zurich. Il devait être extradé aux États-Unis pour être jugé du viol qu'il a commis sur une mineure de 13 ans en 77. Pour quelle raison là on l'a remis en liberté conditionnelle alors? Aucune. Si on traduit le communiqué de presse de la juge suisse, ça a été de la pure flemme d'aller plus loin. Le réalisateur doit rester tout de même dans son chalet de Lausanne afin d'attendre l'ordre d'extradition vers les États-Unis. Chose qui par la suite sera annulée, bien entendu, suite à une décision du tribunal suisse en annonçant un vice de procédure dans la demande d'extradition du tribunal américain. Donc en fait, finalement, la Suisse, Eldorado des violeurs, j'ai l'impression. Barack Obama annonce que le travail sera fini en Afghanistan en envoyant 30 000 hommes supplémentaires sur le terrain suite à la demande du général Stanley McChrystal. Alors ça peut paraître con de finir un conflit en envoyant plus de soldats, mais à votre avis, pourquoi la décision a été prise en ce sens? Allez, petite stratégie militaire, les gars. Parce que quand il y a plus de soldats, ça fait plus d'explosions et du coup, il y a plus de morts. Pas loin. Pour pratiquer du viol en masse et diluer. Voilà, Mais non, ça c'est pas des soldats américains, ça c'est que les Russes et les Allemands. C'est clair, les Américains sont des gentils. Moi je l'ai vu dans plein de films. Non, en fait, c'est pour créer un plan de sortie, les soldats américains formant les soldats afghans avec des armes de pointe pour protéger le pays contre les talibans. Et eux, de leur côté, font un retrait progressif tout en protégeant les points capitaux. Cette guerre d'Afghanistan qui coûte quand même 3,6 milliards de dollars à l'État américain par mois s'achèvera en 2014 avec un total de 29 000 morts dans le contingent américain et allié appartenant à l'OTAN. Suite à la sortie du film Vengeance du cinéaste hongkongais Johnny To, Johnny Hallyday annonce vouloir continuer sa carrière d'acteur et il aurait été approché par, attention, Tarantino pour jouer dans son prochain film. Et également, il a été approché par les frères Coen. Non. On a vraiment hâte de voir où cette carrière va le mener. Nous sommes sur le service public. Quelle indignité. C'est une histoire qui s'est déroulée en ce mois de novembre 2009 dans un lycée de New York à Marble Hill, très exactement. Un professeur d'anglais s'est fait suspendre par le système scolaire américain. Pour quelle raison, d'après vous? Il a tué des enfants. Alors, non. Il a touché des enfants. Non. Vous avez, voilà, vous avez dit les deux plus évidentes. Maintenant, il va falloir chercher. Les enfants l'ont touché. Oh, c'est ce que j'allais dire. Tellement habile. Allez, essayez de deviner. C'est pas un truc de viol, c'est pas un truc... Pas genre, il a humilié des gosses qui avaient eu un mauvais comportement. Une... Genre. Non. Il a bien éduqué des enfants. Qu'il a eu en tôle. Ouais. Les flingues, c'était pas bien. Ça aurait pu. Ah, c'est un petit. Alors, il y a un truc comme ça, si tu veux. Il y a un truc d'éducation. Il a fait la promotion de. Il a fait la promotion de quelque chose. De quelque chose. D'Hitler? Non, bah non. Des génocides? Fin de carrière, là. De la technique? De l'homosexualité. Il a fait lire quelque chose à des enfants. Mein Lolita? Mein Kampf. Le Coran? Non, non, pas le Coran, pas Mein Kampf, la pas Bible. Lolita. Mais c'est un livre. Alors, c'est un livre. Ça va être compliqué pour vous faire deviner ça. C'est un livre en fait qui raconte une histoire assez particulière. En gros, je vais vous lire la réponse. 50 millions de degrés ? Non, c'est en fait il a demandé à ses élèves de seconde d'étudier le roman Choke de Chuck Palahniuk, un roman qui raconte l'histoire d'un accro du sexe qui aime vomir dans des restaurants chics et se branler tout en s'étouffant avec une carotte. Alors, je vous ai résumé vulgairement le truc, mais vu que c'est un livre écrit par l'auteur de Fight Club, faut s'attendre à un truc complètement barré et provoquant, mais qui fait sens finalement. Le truc, c'est que le roman est ultra graphique dans ses mots, et les élèves, étant impressionnés par l'intrigue, cela souffla un énorme bruit de couloir jusqu'aux oreilles du proviseur, qui décida de suspendre le professeur. Sauf que, twist, il sera réhabilité quelques mois plus tard suite au soutien des élèves qui approuvent complètement la vision de leur prof et donnent des ouvrages plus modernes et en adéquation avec le monde actuel. Vivien, t'avais un truc à dire? Pareil, au collège, nous, on avait eu le même souci avec des parents, mais surtout très coincés. En gros, on avait eu le bouquin qui s'appelle le Gone du Shabbat. C'est ça. Qui est en gros une autobiographie d'un mec qui avait vécu dans les bidonvilles autour de Lyon, je crois, c'était. C'est ça, qui est devenu politique. Ouais, voilà ça. Et bah, au final, il aggrave ses peuples. Donc en gros, c'était un bouquin qui racontait son enfance en fait dans les bidonvilles. Et il y a un moment donné où en gros, il doit avoir 10 ans et avec une fille de sa classe, ils font l'amour. Mais en gros, c'est juste, il explique littéralement qu'il met son pénis.
à l'entrée. Voilà. Et la phrase concrète, c'était tiens, et si on s'enculait. Voilà. Et en gros, ça a juste, ça a tourné dans tout le collège et c'est revenu aux oreilles des parents. Des parents. Ils ont incendié la prof de français, ils lui ont envoyé des mails au directeur et tout en disant voilà, c'est inadmissible. On peut pas être, vous pouvez pas demander à des enfants d'étudier ce genre de bouquin. On peut pas mettre le mot enculé dans un cours de français, ça ne se fait pas, n'est-ce pas? En fait, tu regarderas dans les collèges ou dans les systèmes éducatifs, ce qui fout le plus la merde, c'est les parents. Oui. Ouais, toujours. Ouais, complètement. Je suis sûr, t'as moyen, mais on aurait moyen de faire, tu sais, genre, produire un podcast, tu sais, où tu mets tous les profs. Des profs, tu sais, avec anonyme, tu vois, enfin vraiment, tu vas dire les noms, mais vraiment balancer sur le système et sur les profs. C'est genre faire le je sais pas, de parler des anecdotes des profs, des parents qui peuvent avoir des belles. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a plusieurs types de profs. Le prof d'histoire, oh, il est trop chiant, là. Elle 39-40, c'est vrai que. Le prof de mathématiques, qui regarde des culottes de femmes. En plus, il y a toujours des chemises qui sont trop moches. Le prof qui arrive toujours en retard aux réunions parents-prof. Le prof qui arrive à 14 minutes de retard, alors du coup, on peut pas partir. Ce serait vraiment très chiant. Et pendant ce temps-là, à Nantes. Alors là, je suis obligé de mettre la main sur le cœur. En ce jour, nous fêtons l'inauguration du stade Marcel Sopin suite à sa rénovation. Anciennement connu sous le nom Stade de Malakoff, il a été rebaptisé Stade Marcel Sopin en mai 65 suite au décès de Marcel Sopin, président et fondateur du FC Nantes. Ce stade, à la base, était le lieu de tous les grands matchs de football du club nantais jusqu'en 84. On a eu le droit à des matchs épiques, genre Nantes-Guingamp, Nantes-Saint-Etienne, Nantes-3, Nantes-Dijon. Bon, maintenant, le FC Nantes est en Ligue 1 et les matchs ont un peu plus de gueule. Mais il était déjà aussi à l'époque. Oui, toujours été en Ligue 1, à part en 2000, dans les années 2000. Ouais, c'était. C'est un des meilleurs groupes, une des meilleures équipes de l'histoire du football français, Nantes. Écoute, j'ai la main sur le cœur. Tu me parles pas comme ça. C'est juste qu'à l'époque, Guingamp, tout ça, ils étaient en Ligue 1 aussi, tu vois. Oui. Bon. Saint-Etienne était en Ligue 1, c'était les Verts, quoi. Ouais. Je savais pas que vous étiez aussi calé en foot, les gars. Ouais. La bière. T'écoutes pas Footcast? On le produit. Allez, c'est parti. Le stade Marcel Sopin sert de complexe sportif et a été inauguré en grande pompe aujourd'hui par JMA, le grand, le sauveur de Nantes, Jean-Marc Ayrault. En présence des anciennes gloires du FC Nantes, attention, accrochez-vous, dont Loïc Amis, Bernard Blanchet, Philippe Gondet. Un chaud, lui. J'aimais très, bien très, lui. Ouais, j'aimais ouais, bien. Ouais, très très bon, ouais. Très bon pied gauche. J'aimais bien surtout quand il était sur le banc des remplaçantes. Ouais. Maxime Bossis, Christian Carambeu, Nestor Fabry pas. Et même Mickaël Landreau. Ouais. Ah, Mickaël Landreau. Oh bah, ça t'évoque quoi, Mickaël Landreau? Des pattes. Non, un goal. Mais le saviez-tu, Zidane? Si le stade est sauvé, c'est grâce à JMA, grâce à Jean-Marc. Encore? Qu'on a pu garder ce lieu emblématique. Écoutons les mots justement de Pascal Bolo, vice-président de la métropole nantaise, sur l'histoire de ce projet de rénovation. C'est à Amsterdam, lors d'un voyage, que Jean-Marc Ayrault a découvert un terrain de football, un stade, bordé d'immeubles. Et ça lui a donné l'idée de ce qui allait devenir plus tard le nouveau Sopin. Il a vu là l'occasion de redonner à ce site un peu exceptionnel du stade Marcel Sopin la vie nouvelle qui lui avait été promise à l'occasion de la campagne des élections de 2001. Jean-Luc Arousseau n'avait rien trouvé de mieux, candidat de la droite, que d'annoncer qu'il allait raser Sopin en cas de victoire pour y faire un hôtel 5 étoiles. Évidemment, c'était une grave erreur de sa part, parce qu'une liste de droite qui sacrifie le patrimoine, et notamment comme un patrimoine aussi populaire, et ça n'était évidemment pas possible, et ça m'avait donné l'occasion d'écrire pour Jean-Marc un beau morceau de discours, belle inauguration d'un Sopin renouvelé, d'un Sopin rénové, où il y avait quand même du beau monde, des beaux pieds gauches, entre autres, encore un pied gauche, j'ai pu voir à nouveau à Sopin des gens jouer au foot et notamment des filles, certes à un rythme pas trop échevelé, mais des footballeurs se faire des passes. Et ça, ça fait longtemps qu'à Nantes, on n'en a pas vu en tout. Parce que les footballeuses, c'est rigolo, c'est plus efficace à la vaisselle. Hein. Parce que là, ils font des passes, mais putain, ça joue pas. Hein. Voilà, la mentalité de 2009, les mecs. Incroyable du cul. C'est en 2009? Ah oui, c'est en 2009. Je croyais que c'était un. Ah oui, d'accord. Ouais, un vieux. Je pensais que c'est pour ça que 80, la musique est bizarre. 90, ouais. Pour 2009, c'est bizarre. Tu vois qu'il reste la tectonique. Même la qualité sonore était un peu dégueulasse pour 2009. Aussi.
Ouais, c'est pas terrible. Non, ça, c'est JB. Alors, mais non, mais je l'ai rippé sur Dailymotion. Alors, ils ont dû avoir, sur leur site, ils ont dû avoir une visite. Bah non, jusque 2009, Dailymotion, ils ont dû avoir 100 000 visites en 2009. Non, mais le jour, là, je suis passé, genre, la semaine dernière sur Dailymotion, récupérer le son. Ah oui. Ils ont dû avoir la seule visite de la journée. Ah oui, saturé. Show me. Mohamed Merah, c'est la faute des jeux vidéo. Breivik et les attentats en Norvège, c'est la faute des jeux vidéo. Il faut le savoir. Voilà. En dessin animé japonais qui sont exécrables, qui sont terribles. Ce que tu dis n'a aucun sens. Squadra, nous sommes partis. Incroyable du cul. Donc c'était pas mal hein, niveau jeu vidéo. Grosse sortie hein, on a des trucs, on a du gros hein, on a du Call of Duty Modern Warfare 2. Putain, trop de la balle mon gars. Je pense que j'ai pas besoin de parler trop de celui-là hein. Non, ça y est, il est assez connu. Vrai, je connais mal. Moi ouais, très bien, très bon souvenir. Très ouais, bon multi, très bon solo avec un twist où tu te fais buter par ton général moustachu, voilà, ça c'est, je m'en souviens, avec la mission finale où tu balances un couteau en mode random et le mec il fait "Oh putain, ah, oui, c'est vrai." Et voilà. C'est le scénario qui durait moins de teaser. Ouais, mais qui était bien paqué quoi, tu t'en prenais plein la gueule. Moi perso, je pense que c'est le dernier Modern Warfare, le dernier Call of Duty que j'ai bien kiffé jouer. Ouais, ça a été Black Ops. Ouais, peut-être Black Ops aussi. Black Ops, c'était cool. On avait aussi le remake du premier Serious Sam sur PC. Ah oui. On avait Assassin's Creed 2 sur console. Trop bien. Ouais, le meilleur. Voilà, je vois rien. Avec entendre. Ce moment où tu en fait, t'as à peine commencé le jeu que t'as déjà 4 trophées. Et t'as juste bougé ton pied, tu vois. Ouais, c'est cette histoire-là, en fait, où tu joues le bébé et 4 trophées, tu vois, t'as passé. Oui, t'es genre, tu fais l'intro, tu fais un peu. Et le jeu te félicite de rester 15 minutes, en fait, à regarder des cinématiques. C'est bien, t'as fait l'intro. Bravo. Non, mais elle était trop bien avec la petite ville là que tu devais rénover et tout. Oui, c'est cool. C'était encore un gosse de riche qui se faisait frapper. Attention, tu veux que j'appelle mon père, c'est ça? On avait aussi Pokémon Dungeon Mystère, Explorateur du ciel sur DS. Perso, je l'ai grave pensé, ce jeu-là. J'adorais les John Mystère quand j'étais petit. C'est quoi comme type de jeu, ça? C'est, en gros, t'as un espèce de roguelike moitié avec des donjons aléatoires qui se génèrent comme ça. T'as des Pokémon dedans. Et faut avancer dedans, monter dans les étages. T'as un boss à la fin du truc. Et en gros, à chaque fois que t'avances d'une case, les ennemis avancent d'une case aussi. C'est un tour par tour. Ouais, moi, j'ai bien kiffé, mais à la fin, c'était un peu relou, quoi. Ouais. Parce que, ça tourne vite en rond. Tu vois, c'est de l'aléatoire, mais, pas ouf quoi. Ouais, après t'as pas beaucoup de combinaisons en gros, c'est ça. Si, c'est infini, toi tes étages ils vont toujours être. Oui, mais en fait c'est juste des couloirs et des pièces. Oui, voilà. C'est juste que la modification elle change, mais en soi c'est pas dingue, t'as pas des nouveaux trucs. T'as pas des énigmes, t'as pas de trucs comme ça, c'est juste t'arrives à un étage, tu cherches l'escalier, tu montes. T'arrives à un étage, tu cherches l'escalier, tu montes. Il y avait pas trop de challenge non plus quoi, donc c'était un jeu Pokémon, donc c'est pas super dur. Pour peu que tu t'enfuyais pas à chaque combat, ça allait quoi. Et les graphismes étaient un peu nuls, mais mignons. Ouais, en fait ça dépendait, il y avait la phase de donjon était vraiment pas très ouf, mais sinon à côté de ça il y avait des petits trucs sympas, il y avait même des petites cinématiques je crois, je me souviens. Cinématique, le mot. Non bah cinématique un peu fort, c'est mais... la DS quoi. On y va, mais bon. Sur console on avait aussi Band Hero. Alors Luc, est-ce que tu te souviens de ça? Tu veux une anecdote ou pas? Ah. En fait, je l'ai découvert, j'étais en stage à Biarritz. Et en fait, il y avait un mec qui avait acheté ça. Est-ce que t'étais avec Baptiste? Non, à Biarritz. Ça, c'était à Vannes. Ok. Non, j'étais en stage et j'étais logé en fait dans une espèce d'indépendance de l'hôtel en fait où il y a que des chambres de saisonniers, des trucs comme ça. Et en fait, à un moment donné, il y a un mec, il avait acheté ce jeu avec tous les instruments. Et franchement, à faire, parce que ça, c'est en fait le problème de Band Hero. Donc Band Hero, c'est un jeu où en fait on joue avec des instruments en plastoc. Mais la difficulté de ça, c'est d'avoir tous les instruments, parce que ça coûte une blinde, ouais. 300-350 € qu'il faut mettre pour que tu joues à 4 quoi. Tu vois, il y en a un qui chante, il y en a un qui fait de la basse, il y en a un qui fait de la guitare et la batterie. Aussi. Et je me souviens d'avoir cartonné sur Fascination. C'est Alphabet, je crois. Alphabet, ouais. Fascination. Et le problème c'est qu'à un moment donné j'étais à la batterie. Wow. Non, j'essaie de limiter le top comme je peux. S'il vous plaît, un peu de respect. En fait, j'étais tellement en train de taper comme un gros con là, à faire des notes et tout, à me prendre vraiment comme Karim en fait un petit peu. Et ben le problème c'est qu'en fait j'ai tapé à un moment donné à côté et j'ai tapé tu vois, là où il fumait dans les chambres. Il a mis une tasse avec. Mais t'avais, le mec, il avait pas vidé depuis un moment. Ouais, le cendrier. Ouais, le gros cendard, bien dégueulasse, quoi. Et moi, je fais BAM! Et tu vois, le truc, il fait. Et toute sa chambre,
toute sa pioule avec de la flotte parce qu'il a mis de la flotte dedans, ouais. Toute sa chambre et ses putains de draps, ils ont tout pris quoi. Non, mec m'a viré. Donc voilà, il y a cette anecdote là et après effectivement j'étais complètement vénère, tu vois, j'étais frustré de pas pouvoir continuer à jouer. Bon, j'étais pas désolé pour son truc, mais le truc c'est que effectivement en fait je l'ai acheté après, j'ai joué avec mon frère et ma sœur et en fait Vivien était au micro et moi à la batterie. Je le laissais jamais jouer à la batterie. Mais ouais. J'étais obligé de chanter sur du Spice Girl et du Jackson 5 avec ma voix de fossé de l'époque. Aïe, coup dur pour Guillaume. Autant vous dire que c'était sympa. Bah il y avait un autre meilleur gueuler en fait à chaque fois parce qu'on chantait trop, enfin c'était trop la merde. Moi j'avais sur Xbox le guitare. Moi j'avais juste guitare. T'avais toute cette t'as ultra addictif quoi. Ouais. Genre quand t'es dedans, même les modes carrière, tu les défonces. Tu les ponces parce que c'est comme le mode en fait c'est un mode arcade si tu veux. Tu à mais chaque fois ça. Tu vas te performer. Tu commences fait. Facile et puis petit à petit à la fin. Et en plus t'as vraiment le truc de t'as vraiment le kiff de bah tu te crois vraiment pour un putain de guitariste toi. Alors qu'en fait pas du tout. Mais il y avait DJ Hero aussi avec la petite platine. Exact. Il y avait DJ Hero. En fait ça a été une vague genre 2006, 2010, 2011 tu vois. Ça a été la folie de ce genre de jeu. Et après, plus rien. Et aujourd'hui, ça vaut 10 balles à Eurocash, tu sais, genre. Ouais, de ouf. Mais encore, tu peux. Enfin, c'est dur d'en plus cher que le cendrier que t'as. Ça vaut moins cher que le cendrier que t'as pété, tu vois, aujourd'hui. Et mon ego qui a été détruit. T'as hacké ta coupe. Ouf. Ouais, non, mais voilà. C'est sympa. C'était. J'avais envie. T'as rien à écrire et nous, on continue, quoi. Bah, en fait, c'était littéralement, j'avais. Enfin, je l'ai pas marqué, mais dans ma tête, c'était laisser les autres parler s'ils ont des anecdotes là-dessus. Donc, chose que j'ai faite. C'est un génie. Du coup, il nous a mindfucké, quoi. Sur console aussi, on avait Ratchet & Clank. Crack, wow. Non mais tu vas pas encore nous laisser parler. Luc, est-ce que tu te souviens de Ratchet & Clank? Si vous avez des anecdotes, n'hésitez pas. C'était un des premiers jeux, je me rappelle avoir fini. Waouh. T'es viril toi quand même. Ouais, je sais. Ok mec. Après j'ai fini Final Fantasy X. Waouh. Wow. Au bout de 15 retry. Ouais. C'est tout pour ce qu'il y a sur console. Parce que je voulais quand même vous parler à tout prix d'un jeu. Un gros jeu. Un gros RPG. Le seul bon dans une putain de trilogie. Dragon Age Origins. Le seul qui vaille. Donc voilà, vraiment le coup. Parce qu'on a eu Dragon Age 2 qui était une putain de blague. Qui était un retour en arrière alors qu'il est sorti 4 ans après. Je crois, ou 3, je sais plus. Enfin bref. On a eu après le Dragon Age Inquisition. On a attendu voilà longtemps et au final c'était un pétard mouillé. Avec une collector de ouf. C'est faux. C'est quoi l'histoire collector, en gros, dans le collector, c'est une collector qui valait 200 balles à être toute seule. Non, non, elle coûtait 100 balles sans le jeu vidéo. Hein? Et dedans, tu n'avais rien qui valait les 100 balles. Genre vraiment, t'avais une carte en PQ, t'avais des pions qui se pétaient, mais super facilement. Des pions sur la carte, alors que la carte était ultra grossière, des pions, enfin bref, c'était... En vrai, si je mettais déjà 20 euros dans une collector comme ça, je sentais déjà que me faisais niquer, tu vois. Donc 100 balles. Waouh. Eh non, c'était vraiment de la merde. C'était une arnaque. Il y en a plein qui font ça. Je crois que c'est aussi... Mais je crois que c'était sur les Assassin's Creed aussi ou que les collecteurs il y avait pas le jeu dedans. Oui, oui. Ouais, mais au moins dans les Assassin's Creed t'avais toujours une grosse figurine qui était de bonne facture, bien peinte, bien dynamique. En général, si tu prends une collector Assassin's Creed, t'as toujours moyen d'avoir un bon truc dedans. Bon, t'auras peut-être pas le jeu, mais t'auras une grosse figurine qui te fera sentir viril. Je sais pas si c'était Assassin's Creed, mais c'était un truc comme ça, grosse licence. Ouais, en parlant de collector, il y a celle de Fallout 76 qui est jamais sortie. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui avaient commandé. Tu veux pas prendre grosse... Fallout 76 Premium pour avoir un espace de stockage illimité. Il y a ça aussi. Et mais te faire bully par tous les autres joueurs. Tu veux en fait la collector, t'avais la possibilité de prendre un sac Fallout 76 en fait ou un Pip-Boy et certains l'ont jamais eu et quand certains ont eu le Pip-Boy c'était vraiment de la grosse merde quoi. Ouais. Non c'est pour Fallout 4 ça. Non 76. Parce que 76 alors il y avait un sac qui était censé être de bonne facture mais qui finalement était en nylon dégueulasse c'était en toile quechua tu un Pip-Boy qui était sorti avec Fallout 4 ouais. Mais ouais. Il était, ça allait bah, pff, c'était du plastique, du plastique. Tu mettais ton portable dedans pour faire comme si c'était un vrai Pip-Boy mais ça... Bof, c'était de la merde. C'était ok tiers. On voulait parler d'Origins à la base, c'est le premier, celui qui est bien. Donc développé par BioWare, les créateurs de Mass Effect, et édité par EA, les connards. Ouais, qui vous le place, alors, dans le rôle d'une naine, d'un elfe, d'une humaine noble, d'un mage prisonnier, d'une elfe servante maltraitée ou encore d'un vil paria nain volant pour sa vie. Oh. Ouais, donc en fait, tu pouvais choisir à peu près tout plein d'origin story au début et créer ton personnage avec plein de classes différentes, etc. Donc c'était vraiment un RPG à l'époque et c'était vraiment, vraiment cool. Il y avait une histoire où t'avais pas mal de choix et ça changeait vraiment
beaucoup en fonction de ce que tu pouvais choisir et en fonction de qui t'étais à la base. Les gens traitaient pas du tout pareil, par exemple, si t'étais un noble humain ou si t'étais un mage, ils traitaient très mal les mages, par exemple, ce genre de choses. Donc, si t'étais un traître et tu t'appelais Eric Zemmour, peut-être qu'il te regarderait un peu différemment. Il me souvient que les Templiers étaient beaucoup de droite, ils aimaient bien. Du coup, il est invité sur le plateau télé. Voilà, plateau télé des Templiers. Les Templiers. Bienvenue dans Templiers TV. Aujourd'hui, nous avons un invité, Eric Zemmour, les orques, on est d'accord, c'est tous des connards. Oui, bien sûr, on a entendu, j'ai oui, les mangas, ça fait wouche wouche. Mais quand même, c'est un bon jeu, jetez-le. Bien joué. Quel raccourci. Passe dans le produit. L'année 2009, c'est l'année mondiale de l'astronomie. Ah ouais. Wow. Ouais. Génial, voilà. Il s'est passé quoi? Je vais vous le dire. C'était le 4. Parce que c'est un peu le but de ta chronique. Je crois que c'est le but de ma chronique. Ah, bah, je sais pas. Moi, je vais vous le dire. Tu peux faire la chronique en Sarkozy? Te laisse pas décourager. Mais attends, mais tu sais pas, toi. C'est pas toi qui es fort en astronomie, normalement. En astronomie? Je suis pas fort en astronomie. J'aime bien, je m'intéresse, mais c'est tout. Allez, vas-y. C'était le 400e anniversaire de l'usage de la première lunette astronomique. Ça, je savais, tu vois. Mais Galilée. Oui. Il me semble. Lui, en fait, c'est pas lui qui a inventé, mais il a juste l'idée de regarder le ciel avec. Voilà. Ouais, c'est oui, ça. C'est ça, c'est l'usage de la première. Par contre, c'était juste une lunette. Et en fait, dès qu'il l'a orienté vers le ciel, c'est devenu une lunette astronomique. Par contre, au début, il a fait deux jours. Il a perdu un œil. Attends, je vais peut-être le retenter la nuit. Bien joué. Ophtalmologie. Bien joué. C'est l'UNESCO qui a dit, voilà, c'est l'année mondiale de l'astronomie. Toute l'année, ils ont dit. C'est l'année mondiale de l'astronomie. Ils auraient pu faire un jour. Non, non, l'année mondiale de l'astronomie. En même temps, tu sais quel jour exactement Galilée a regardé dans sa première lunette astronomique? Le 8 mai. C'est vrai en plus? Non, pas du tout. Je pense pas que quelqu'un le sache. C'était vraiment une question sans de réponse. De merde, ouais. Ah, y a pas de réponse. Ah, mais en tout si cas, déception de ouf, quoi. En fait. J'en ai absolument rien à foutre. Et il a monté un teasing et tout, quoi. Et là, on est là devant lui, devant sa bouche. Et finalement, ah, peut-être mouillé comme Suicide Squad. Voilà. Et ben, tu sais quoi, en prochain RVLT, tu diras du coup quel jour. Non. D'accord. C'est ma chronique, c'est moi qui décide. Voilà, donc maintenant on va se concentrer sur Terre. Et ça va être le fun. Alors, je sais pas si vous vous souvenez à l'époque, mais déjà, ça sonnait l'alarme de tous les côtés. Ouais. Quant au réchauffement climatique. On parlait par exemple de petits trucs sympathiques, de conséquences largement irréversibles pour un millénaire. Donc ça va, ça fait pas peur du tout. Non, ça va, écoute, 10 ans plus tard, on s'en bat toujours les couilles, du coup, là, ça va le faire. Exactement, je pense que maintenant, il doit avoir bien marre les climatologues là qui se rendent compte qu'en 2020, les gens n'ont toujours rien à branler. Exactement. Je sais pas qu'il fait froid pour le réchauffement climatique. Oui, mais sauf qu'en 2009, normalement, ça devait être la fin du monde en 2012, donc on s'en fout, c'est clair. Ah putain, c'est vrai que Nostradamus l'avait dit. C'était pas que la merde dans le climat, c'était aussi la merde sur le net. Les gens commençaient à se rendre compte qu'en fait... les geeks qui étaient dans leur petite chambre là, ils faisaient pas que des jeux vidéo et ils volaient aussi des comptes bancaires. Ils faisaient des choses de ce style-là. L'USA et l'Allemagne se sont mis d'accord pour dire que globalement c'était la merde. Le FBI qui cite que la plus grosse menace pour les États-Unis après une guerre thermonucléaire et les armes de destruction massive, c'est rien d'autre que la cybercriminalité. J'ai cru que t'allais dire et les Arabes. et l'Iran. voilà. Même tu vois ça déconne zéro. Hein. Le mec, c'est-à-dire qu'il te met la guerre nucléaire, les armes de destruction massive et juste en dessous la cybercriminalité, tu vois. Le réchauffement climatique, il est encore bien bien bas dans l'échelle, tu vois. Rien à foutre. Ce truc de complotiste. Non, non, le réchauffement climatique, il est entre interdire les armes. Et ouais, c'est ça, c'est interdire les armes et interdire la mauvaise bouffe. Toujours le sens des priorités aux États-Unis, hein, ça toujours, fait plaisir. Toujours. Réchauffement climatique, t'inquiète pas, plus de plastique, plus de paille. Ah, paille. Ouais. Plus de coton-tige. Ah, déjà. Coton quoi? Coton-tige. Ah oui. Bah si. Non, il n'y a plus le droit. Non, si, il y en a encore. C'est que les tiges, elles sont en. C'est jusqu'à 2021, je crois. Ouais. Ah, ils ont repoussé. Faut encore claver. Vu que c'est pas encore. T'inquiète, on y pensera dans 20 ans. On sera tous morts. Voilà. Quand on sera tous sourds, avec tout le cérumen qu'on aura dans les oreilles. C'est-à-dire que plus personne n'écoutera des podcasts? Oh non. Voilà. Merde. Non. Plus de condom tige, plus de podcast. Tout est lié. J'ai retenu que deux sorties manga
cette fois-ci, pour éviter de vous casser les couilles des mangas que de toute façon personne ne connaît. Il y a la sortie d'un tome, du tome 3, d'une petite série sympathique qui nul d'autre que High School of the Dead. Ah, mais oui! Alors, pour vous faire un topo, c'est un manga de style ecchi horror. Ah ouais, d'accord, du cul et de la mort. Alors, voilà. Disons que le dessinateur faisait anciennement du hentai. Alors, chers auditeurs, chers auditrices, pour ceux qui ne savent pas, le hentai, qu'est-ce que c'est? C'est du manga du fion. Des tentacules. Des tentacules, du parfois. Cul. Parfois. Parfois des femmes avec des filles, pénis parfois. De 1m80 de haut. Tout va bien. Enfin bref, les Japonais ont du mal avec le cul dans la vraie vie, ils l'ont un peu moins dans les mangas. School of the Dead, c'était clairement... Alors les dessins étaient très bons, hein, mais tu vois que le mec, ses antécédents de hentai, il les avait encore dans son coup de crayon, tu vois. Ah non, c'était... Surtout dans l'animé, tu vois, enfin... Dans le manga et l'animé, mais dans l'animé, je me rappelle surtout d'une scène où t'as un mec qui tire une balle de sniper et t'as le balle de sniper qui passe entre les seins d'une meuf et genre vraiment t'as les seins qui esquivent la balle en slow motion et je suis en mode ok. Tout ce budget pour rien. Ah non, mais dis-toi que dans le premier tome, tu peux voir une nana se faire bouffer, et manga se fait bouffer un bon gros plan sur sa culotte, c'est tout. Ah oui. Mais en train de se faire bouffer par des zombies. Ah, t'as même un plan salle de bain entre filles avec tétons oui. inclus. Hein. C'est quoi déjà? Est-ce que vous êtes OK, Amazon. Donc voilà. Alors il y a que 7 volumes, je crois. Un truc comme ça, ouais. C'est déjà beaucoup. Alors, c'est, je pense que le scénario, plus. Le mec, il a bien réfléchi. Non mais le scénario n'était pas si mauvais que ça en soi, mais le truc c'est qu'il a pas pu le finir parce que il est mort. Ah merde. C'était en gros c'était alors c'était pas des frères, ils avaient le même nom de famille, mais c'était pas des frères. Et en gros c'est un truc improbable. Et en gros le scénariste est mort et le dessinateur a bien dit qu'il se sentait pas de continuer l'histoire avec un autre scénariste. Il avait trop un génie. Il avait une vision. Le mec était trop fort. Le mec c'est son pote et il a fait son deuil de son pote en même temps que la série. Retour à podcast qu'on va faire sur le début de la fin. Et finalement, il veut juste pas continuer. En fait, il a juste oublié. Il a juste voulu oublier cette série en même temps que la mort de son ami, tu vois. D'accord. Ok. Voilà. Touchant, quand même. Ce serait touchant si on oubliait que ce serait une série avec des boobs qui esquivent une balle de sniper. Et des bruits de boing, boing, boing. Oui, et chaque fois qu'il y a la famille en gros sein qui court. Mmh. Voilà pour ce manga, ce chef d'œuvre. Qualifions-le de chef d'œuvre, je pense. Ah ouais, qu'on peut il a pu être très bien. Si. Bah, il n'y a pas eu ce tragique événement. Heureusement, il y en avait un deuxième qui était bien mieux. C'était quoi? Full Metal Alchemist. Ah, il est fini. C'est fini. Le 22e tome à ce moment-là. Ah. Sur 27. Ouais. Sur 27, ouais. Donc, mais quand même, je me dis, ça aurait été dommage de ne pas le mentionner à ce moment-là. C'est un bon manga, on va pas l'oublier. C'est un bon manga, un très bon animé pour les gens qui ont flemme de lire aussi. Tu parles de Brotherhood ou de l'original? Brotherhood. Ouais. D'accord. Bah c'est le seul qui suit réellement le manga. Oui. C'est un shonen qui rapidement, si je vous fais un petit topo, il nous raconte l'histoire d'Edward et Alphonse. Qui, après une tentative d'alchimie pour ressusciter leur maman défunte, se retrouvent l'un avec un bras et une jambe en moins. Ça arrive. Et l'autre, son âme coincée dans une armure géante. Ça arrive. Shit happens. Donc, on est effectivement dans un monde où l'alchimie est une science réelle et où la règle d'or est l'échange équivalent. Donc, forcément, quand tu essayes de ressusciter ta maman, tu dois filer au moins un corps pour qu'elle revienne. Bon, je vous laisse deviner que ça se passe pas très bien. On va suivre ces deux frères au long de leur quête pour retrouver la pierre philosophale afin de pouvoir quand même accomplir leur rêve de récupérer en fait le corps d'Alphonse tout simplement. Parce que c'est quand même vachement pas pratique de vivre dans une armure. Pensez à tout ce que vous pouvez ne pas faire dans une armure. Et ben le top 5 de tout ce qu'on peut pas faire avec une armure. Des pattes. Oui, des pattes. Se mettre des cotons-tiges. Se mettre des cotons-tiges. Boire du jus de fruits. Le gratter. Ah putain, c'est vrai, ça c'est horrible. Ah, je le mets en top 1. T'imagines si t'as genre un membre fantôme. Mais t'es une armure, ça c'est quand tu ressens des trucs. Le cul. T'as envie de t'as genre un membre, ça donne envie de te gratter le cul. Ouais. Mais t'as pas de cul. Mais t'as pas de cul. En restant sur le cul, le caca. Non, ça on s'en fout. Non. Si, tu peux faire caca dans ton armure. Bah non, si t'as non parce que t'as pas de corps. C'est l'armure, son corps. Ouais, c'est ça. Oui, parce que tu peux pas chier du métal. C'est ça. De toute façon, il mange pas. Ouais. Full Metal chimiste. Oh, c'était encore. Oh aïe, coup dur pour Guillaume. Ah merde. Je pense que je vais arrêter le podcast. Je pense qu'on va arrêter la chronique comme ça. Ouais. Au moins, tu pourras plus rebondir là-dessus. Je vais rester seul avec ma blague toute pourrie. Mais de toute façon, il faut toujours parler du caca à un moment donné, et puis après rebondir sur un truc plus intelligent. Et là, et ce moment où on va rebondir un peu plus de façon un peu plus, comment dire, un peu plus smart, un peu plus intelligente. On a Yuna pour ça avec le point TV. Tiens, il y a une ou deux semaines ou un mois,
qui a ramené le gilet jaune de son père ou sa mère et il a manifesté dans la cour. Pikachu. Oh, c'est un front, ils vont faire fondre toute la planète. Je t'empêcherai de détruire la Terre. Tu entends, je t'arrêterai. Carré, c'est toi qui vas trancher, Justin Bieber ou One Direction? On bat les couilles, frère. Mais c'est de la merde. Alors, en novembre 2009, je vais répondre à ta question de tout à l'heure sur pourquoi les gens s'en foutent autant du réchauffement climatique. Yes. Parce que en novembre 2009, mais comme tous les mois de novembre, il y a l'événement le plus important qui est retranscrit par Jean-Pierre Pernaut et les journaux locaux. Beaujolais. Des troisième jeudi des bouteilles, Laurent Gérard, des pom-pom girls. Qu'est-ce que c'est? Il est. Très bien. Très bien. Voilà, prometteur, très prometteur. Prometteur, merveilleux, exceptionnel, du jamais vu, ça c'est ce que répètent les professionnels du vin depuis une semaine à propos de ce millésime 2009. Hier soir, c'était donc à d'autres spécialistes de donner leur avis. L'année dernière, il avait un goût un peu âpre, et cette année, il est meilleur, il est plus fruité. Okay. Et quel fruit ressort ? La pêche. Moi, j'ai la pêche des fruits rouges. Ouais, fruits rouges. Bah, pour la part. La framboise. Voilà, on a entendu que c'était. Le fruit de la passion. Il a un goût de raisin. Voilà. Le folklore, évidemment. A priori, quand même, ce Beaujolais nouveau a des chances de durer. Il annonce également des grands crus dans tout le vignoble cette année. Cette année, particulièrement, je pense qu'il fera. Le Beaujolais par lui-même fera un bon vin de garde. Et c'est un vin qu'on va apprécier et qu'on va boire, en tout cas, pendant de nombreux mois. Alors est-ce le renouveau du Beaujolais en fin de soirée? On aurait bien aimé creuser un peu plus le sujet, mais la fin de soirée, c'est la fin de soirée. Ouais. Et les discours sont plus difficiles à cerner. Le Beaujolais, comme l'équipe de France, c'est un patrimoine. Il est de 2009, les autres, le dernier était de 2008, aujourd'hui il est 2009. Le Beaujolais a eu des déficits des fois de popularité, comme Raymond Domenech, et ce soir, pour honorer le blason des deux. Et 2009, c'est l'année du 9. Et plutôt réussi. Comme chaque année, il va maintenant devoir partir à la conquête du monde. La campagne. Santé pour tous les mondes. Merci, merci. Bonjour. Pour une fois, Pernaut, il a pas dit que la merde, parce que 2009, c'est un des meilleurs millésimes sur la décennie 2000, la France. La décennie. Ouais. Wow. Par contre. L'aide les meurs parce que le Beaujolais, c'est pas vraiment un vin de garde, quoi. On repassera, quoi. C'était une première parenthèse pour introduire sur les programmes télévisés qu'il pouvait y avoir en 2009. En parlant de patrimoine, donc en 2009, il y a également une autre émission du patrimoine télévisuel français qui refait son apparition. Vivement dimanche prochain. Je vais vous laisser deviner. Ce n'est pas vivement dimanche L'école prochain. Des fans. Je vais vous laisser deviner avec un autre extrait. Et la question interdite, c'est la même pour les deux. D'abord, Sandy. Tournez ma nage. Voici la question. À vous. Non, ah non, la roue de la fortune. Simulé. Non, c'est Coué. Ouais. C'est la question la plus. Hein? Sandy, vous avez dit oui? Oui. Et pourquoi? Faut pas vexer un homme. Tournez ma nage. Les amours, c'est vraiment pas bien, quoi. Oh oui. Ah non, bah oh non, plutôt. Oui, non, c'est. Oui. C'est pas top. C'est pas top. Et là, il est devant la télé, il vient de la prendre. Eh oui. Eh oui, ça lui est arrivé. Audrey, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Oui. Et genre, on en fait des tonnes? Ben non, mais. Ah oh, oui, ah oh, oui, c'est bon. Oh là là. C'est fou, sinon, c'est dingue. On m'a jamais fait ça. Tu m'as fait bien. J'ai bien trouvé le sinon. Les gens ne s'en rend pas compte. En vrai, pas un mec qui a un panneau. Non, parce qu'elle est forte. Ah, vous êtes forte. Un peu comédienne. Très bien. Et ben maintenant, c'est fini. Maintenant, le principe est simple, vous avez pris des petites notes de tous les côtés, des 1, des 2, j'ai vu des plus, des hiéroglyphes, des signes que je ne connais pas. Le principe est simple, il va falloir en garder une. Gardez celle qui vous correspond le mieux, celle avec laquelle vous allez avoir le plus de points communs, celle qui sera derrière la porte dans quelques minutes, qui est peut-être la prochaine fiancée. Qui est peut-être celle à côté de vous, qui vous réveillez tous les matins pour regarder l'amour du risque. Arrêtez la télé, monsieur. J'ai vu que vous étiez fan. Entre Sandy et Audrey, il faut faire un choix. Mais vous allez attendre 2 secondes parce que tout de suite. Elle est bien niquée, vos mères. Ouais, carrément. Que l'émission originale, je vais pas trop m'attarder dessus parce que je vais attendre d'avoir une autre émission d'RVLT de 85 pour en parler. Ouais. Cool. Elle était en 3 parties. Ça, j'avoue, je ne le savais pas. Il y avait une première partie qui était un blind test.
où les candidats devaient trouver des chansons qui étaient interprétées à l'orgue électronique. La deuxième partie, c'était un jeu de questions, les amours, like, sur les couples gagnants de la troisième partie. Est-ce qu'il y avait les blagues un peu beauf de Tex? Je ne saurais te dire. Ouais, pas des blagues un peu beauf de Koé, du coup. Ouais, parce que alors je préférais quand même avoir Tex que Koé. Ouais. Oui, oui. Bah, si tu devais choisir, JB. Entre les deux? Oui. Il y a de Vatès. Lucida. J'ai choisi d'éteindre ma télévision. Ouais. Alors, maintenant, on va faire entre compliqué. La peste et le choléra. Tu préfères Koé ou 2001, l'Odyssée de l'espace? 2001, l'Odyssée de l'espace. Camping. 2001. Il y a eu l'hésitation. Il a enfin une raison. Il y a enfin, il y a enfin un bon point. Koé ou Évangélion? Bah, le problème, c'est qu'Evangélion, j'ai vu que le premier et le dernier épisode dans une émission, un podcast un peu nul. Donc, je peux pas juger Evangélion parce que j'ai pas tout vu. Oh, c'est esquive de ninja. C'est clair. Mais c'est un politique, JB, c'est un politique. C'est beau. Et la troisième partie, donc, c'est la partie qu'on connaît le plus, celle qui est reprise dans Les Bêtisiers, celle qui est reprise par Les Inconnus. Est-ce que tu baises? Et c'est la seule qui a été retenue pour l'émission de Koé. Donc, à partir de septembre 2009 jusqu'à fin janvier 2010, hein, ça n'a pas duré très longtemps. Il y a eu une tentative de revival fin 2010, mais qui n'a pas duré non plus. Après, c'est devenu In the Boîte. Non, c'est les trucs des boîtes de Arthur, là. Non, c'était. Ah, In the Boîte, c'est pas la même chose. Ah oui? C'est Michel avec des enfants. Oui. Est-ce que tu sais? J'ai 10 ans. Et alors? C'est le problème. Polonski. Roman, rentre non, chez c'est toi. Comment c'est le truc des boîtes là de. Non, je sais, moi, je ah, c'est laisser prendre là, non? Ou c'est apprendre ou laisser prendre. Il y a toute la série de questions-réponses que les hommes posent aux femmes, les femmes aux hommes. Donc il y a le choix des deux personnes. Et il y avait une partie après où on les voit en rendez-vous galant, entre guillemets, avec les caméras et toute l'équipe, où ils apprennent à se connaître un peu hors du cadre du plateau. Avec. Une phase cam où ils déprivent les uns l'un sur l'autre. Ouais, il avait vraiment une tête de cul. Hein. Donc oui, ben j'ai vu un moment assez gênant où le mec dit cash. Dit non en off de la nana que de toute façon elle a des dents les dents du bonheur. Donc voilà, ça va pas, mais bon, avec les opérations ça s'arrange bien aujourd'hui. Ouais. Oh là là. Et je vais passer directement au pub. Comme j'étais moins inspirée pour les précédentes émissions. Et là, j'ai trouvé de l'inspiration. Je ne vais pas vous parler du lait, des produits laitiers, même s'il y avait de la matière aussi en 2009. La matière grasse. Si vous vous rappelez, il y avait un long historique. Je vais vous parler de deux personnages qui sont connus depuis 2009, qui sont rentrés dans la culture populaire. Le premier, c'est pour l'opérateur Free, notamment un personnage qui s'appelle Rodolphe. Oh, il est trop cool. Ça, c'était les French tubes bien cool, quoi. Et pour ceux qui ont besoin de se faire rafraîchir la mémoire, ça ressemblait à ça. Avec la Freebox, je pouvais appeler de chez moi les fixes de 70 pays en illimité. Allô, ich bin Rodolphe. Où gardes? Como está? Dans la casa? J'ai fait le test, j'ai appris 70 langues. Demain. Depuis, je donne des cours. Leçon 1, The French Kiss. J'ai mince. Il a fri, il a tout compris. Wow. Est-ce vrai, que ça revient? Ouais, en vrai, moi, je l'ai kiffé trop, ces pubs. Mais en vrai, c'est un viol, quoi, en fait. Non, mais les gars, arrêtez d'être dans 2019, là, on est en 2009, faut kiffer, quoi. Moi, je suis choqué. Et il y a une page Facebook au nom de Rodolphe. Donc, il y a une communauté Facebook de 400 000 fans. Oh. Enfin, 400 000 fans. À l'époque, en 2009. Aujourd'hui, il a 277 000. Mais par contre, je voudrais pas dénoncer, mais j'ai la surprise de voir une personne de cette assemblée qui est encore sur la page Facebook de Rodolphe. Enfin, 2009, c'est peut-être moi. Non. C'est JB. Alternatif. Ah oui. Oui. JB. T'as un skyblog aussi. Non, mais en plus, c'est vrai, j'ai un skyblog. Moi, j'en avais eu deux. Moi, j'ai un Bandcamp. Tenez des sous. Par contre, je t'ai pas vu sur l'autre page Facebook qui est apparue quand Free a annoncé qu'ils allaient arrêter cette campagne de pub. Ah. Parce qu'il y a eu une page Facebook qui s'appelle Sauvons Rodolphe de la pub Free. Oh là là. Là, par contre. Là, c'est gênant. Ouais, c'est gênant. C'est la blague qui va trop loin. Et ouais, là, Yonah nous sort. Il y avait quelqu'un dans l'assemblée qui était sur cette page. Bah non, JB était pas là, j'étais un peu déçu. Non, après, j'ai laissé tomber Rodolphe. Je suis concentré sur d'autres choses. Et j'ai enchaîné sur l'autre pub en parlant de choses plus.
spirituel, la nature, tout ça. Vous connaissez Rosanna? Joseph Papillon. L'étiquette de Rosanna, eau minérale, naturelle, naturellement gazeuse. Il y a des eaux qui sortent qui n'ont pas de gaz carbonique du tout. Et on en remet dedans. Un Perrier. Rosanna, non. C'est le gaz carbonique qui est dans la source, qui va dans votre bouteille. C'est pour ça qu'on l'appelle naturellement gazeuse. La nature est bien faite, non? Donc, ah, elles étaient malaisantes, ces pubs. Ça rappelle les parodies de Palmachot, tu sais. L'eau, c'est important. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de pastis. Mais en fait, c'est toujours malaisant, les pubs et les extraits, quand il n'y a pas l'image. Ouais. Pour de vrai. Ouais, de ouf. Ah, mais même l'image, pour le coup, c'était, comment il s'appelle le monsieur? Pierre Papillon. Pierre Papillon. Qui était dans les nuages avec sa vieille bouteille de flotte et, avec la prestation dégueulasse. L'eau, j'adore l'eau, dans 20 ans, il y en aura plus. Je sais pas si t'as des anecdotes sur lui. Oui. PDG du groupe Roxane. Qui est devenu le groupe Castel. Donc, groupe Castel, c'est Cristaline, c'est Tonon, c'est Vichy et Rosanna, évidemment. Si je ne me trompe pas, c'est aussi beaucoup de vin, hein, Castel. Hein. J'avoue, je suis restée sur l'eau pour le coup, parce que j'ai déjà parlé du Beaujolais nouveau, mais... Ouais, bah, si c'est le même Castel, c'est eux qui ont la Villageoise notamment, mais qui ont aussi des très grands châteaux dans le Bordelais. Mais qui ont la Villageoise. Voilà, mais qui ont la Villageoise. Et au niveau de l'eau, donc il est le troisième... Enfin, le groupe Castel est le troisième groupe sur l'eau en bouteille après Danone et Nestlé. Mais ce monsieur Papillon n'est pas en reste en matière de fils de puterie. Ah. Oui, il est décédé en plus, ce monsieur. Ah, bah, force de voir trop de Rosanna. Ouais, c'est ça. Donc, il y a eu quelques polémiques autour de ce monsieur. Donc, le syndicat des eaux d'Île-de-France a porté plainte suite à une campagne de 2007. Il s'agissait d'un jeu de cartes pour enfants sur les packs de cristalline qui dénigrait l'eau du robinet en disant qu'elle n'était pas saine. Et qu'il fallait boire de l'eau en bouteille. Avec du gaz intérieur, c'est mieux. Donc, au résultat, il a eu pour 20 000 euros d'amende et 50 000 euros de dommages et intérêts. On est un peu sur la même optique que le PDG de Nestlé qui disait que l'eau est a une valeur marchande comme n'importe quel objet de consommation. Ouais. Ouais, non, mais t'imagines s'il faisait pareil sur les bouteilles de soda? Quand il disait que l'eau c'était dégueulasse et qu'il fallait boire que du coca. Le coca est bon pour la santé, buvez-en plein. Ouais, bon, c'est comme à l'époque du marketing avec les cigarettes, c'était en mode balèque, quoi. Où t'avais des médecins clairement qui étaient en mode ouais, moi je fume tous les jours, ça m'aide à mieux respirer. Tu sais, il y a un moment donné, ils vendaient de la radioactivité, alors. Oui, c'est vrai. Oui, ils en mettaient partout. Ouais. Même moi, c'est bien, c'est des petits jouets avec des petites barrettes d'uranium pour les enfants. Surtout, n'oubliez pas les enfants de le mettre dans la bouche. Ah non, mais du maquillage avec de l'uranium et du plutonium, des trucs comme ça. En termes de méthode managériale, il n'est pas en reste non plus. Quand en 2012, il y a un cadre du groupe qui tente de se suicider. On va dire ces méthodes qui étaient dénoncées, c'est un mélange de paternalisme, d'humiliation publique de ses employés, ainsi que des fournisseurs, des personnes avec qui il travaillait. Son nom a fuité dans les Panama Papers. En tant que PDG qui se respecte. C'est Sarkozy, je sais plus qui, comment il s'appelait. Cahuzac, machin, puis ouais, Papillon. Malgré toutes ces casseroles qui traînent au cul, il reste quand même bien ancré dans la culture populaire, grâce à ses pubs. Grâce à Internet, surtout. Et au compte Twitter parodique aussi. Ah, il y a un compte Twitter? Pierre Paillot? Parodie qui s'appelle PDG Rosanna. Ah oui, PDG Rosanna. Il y a quelques mots sur les séries télé maintenant. Il y avait beaucoup de bonnes séries télé. J'étais surprise aussi, mais bon, je vais juste les citer comme ça en vrac. Il y avait en pêle-mêle Parks and Recreation. Ah oui, ah, cool. Misfits. Ah. Bon, il y avait Glee aussi. Trop bien. Vampire Diaries, cool. True Blood. J'ai oublié de citer Breaking Bad. Une petite série. Ah. Un petit truc, hein, pas grand-chose. Voilà. Indépendant. Quelques chaînes YouTube pour info qui datent de 2009 également. JDG. Bah oui, la vidéo de ses 10 ans. Déjà 2009, quoi, bordel. Le Visiteur du Futur aussi, la web-série. Ah oui. Freshner, tout ça. C'est ça. Bon, voilà ce qui va et le Point Culture. Ah. Sérieux? Et je vais juste finir par une note un peu plus douce, parce que ça manque de bons sentiments quand même dans la télé. Ah. Et c'est pas vrai, parce que je vais vous parler de l'émission Tous Ensemble, qui est présentée par Marc-Emmanuel Dufour. Qui vient aider tout le monde. Là.
Accepteriez-vous de vivre dans une maison qui risque à tout moment de s'effondrer? Certainement pas. C'est pourtant le quotidien de Daniel, Christelle et leurs quatre enfants depuis bientôt 5 ans. Là, je suis complètement démuni par rapport à toute cette situation. Cette semaine, c'est donc une mission inédite qui attend Marc-Emmanuel à Boulogne-sur-Mer. Reloger cette famille en moins d'un mois. Est-ce que vous avez l'énergie en bataille ? Il pourra compter sur l'aide de nombreux bénévoles, d'anonymes, mais aussi d'amis, de collègues et sur celle d'un habitué, le chanteur Grégoire. Ah, merde. Oh merde. Il y avait une fois, c'était Philippe Candeloro, voici les maîtres mots de cette incroyable aventure. Alors, avant de continuer, moi, je plains Kavinsky qui est utilisé pour la bande son. La réutilisation de Kavinsky. Ah ouais, Kavinsky avec le titre Road Game. Alors, je me rappelle pas du tout du principe de l'émission. C'était quoi? C'est juste, tu trouves un. Laisse Yuna t'expliquer. Le principe de l'émission, c'est, en gros, c'est inspiré de l'émission qui s'appelle Service Maximum de Julien Courbet. Je pense que ça te fait une belle jambe. Qui est inspiré notamment des Maçons du Cœur. Ok, ouais. Je peux te parler. Où, en fait, le présentateur et une équipe de bénévoles va venir en aide à une famille qui a des difficultés à se loger ou à boucler des travaux pour un tas de raisons. Et donc, il va demander de l'aide sur les travaux. Il va démarcher les gens du village, le mec qui tient la boutique Ikea pour se rameubler ou le casto. Et tout ça de manière gratuite et bénévole. Là, c'est un bref résumé de l'épisode de 45 minutes que je me suis tapé. Quelle chance. Pas vraiment. Yes, d'accord. Yes. À peu près le même schéma hein, d'une émission à l'autre. Donc, il y a l'introduction de la famille qui est à bout, qui pleure avec la petite musique pour faire pleurer dans les chaumières. Il y a Marc-Emmanuel qui vient. Bonjour, je suis Marc-Emmanuel. Voilà. Qui va faire son diagnostic en disant « Oh là là, mais vous avez plus de chauffage !» Et c'est là genre « Oh mon Dieu, mais l'isolation, mais oh les travaux, mais ça va être si dur !» Ouais, ouais, ouais. Mais il donne sur l'extérieur. Ouais, ouais. Non, mais des fois, c'est juste des... Est-ce qu'on arrivera à finir ça en un mois? Ben c'est ça, c'est même pas un mois, t'es gentil, c'est... Ah c'est une semaine. C'est une semaine. Ah. Avec tout un tas de rebondissements, genre oh là là, en fait, y a pas une poutre qui est pétée, mais deux, comment on va faire pour réparer tout ça? Le camion va être en retard, on va jamais pouvoir finir à temps. Heureusement que Grégoire est là. Il va nous faire une petite chanson, ça va aller mieux, tu vois. Avec rebondissements, happy end, la famille retrouve sa maison qui est complètement... propre comme un sou, toute neuve, avec des belles lumières. Et après, il la revend pour en acheter une plus nulle. Tu n'es pas si loin que ça de la vérité. Ah. Alors, donc ça, c'est la version officielle. Mais évidemment, il y a aussi les coulisses, qui est moins beau, hein, vous l'imaginez. Moins jovial, là. Donc, je savais qu'il y avait plusieurs polémiques. Mais en creusant le truc, ben, j'ai trouvé notamment une polémique. Vidéo. Voilà. La cuisine, j'ai le meuble qui a lâché. On a toujours pas beau. Moi, j'appelle pas ça une plomberie, moi. Je suis désolé, je suis obligé de pousser avec le doigt parce que j'ai pas de façade. Donc, je pousse, pas mal de l'eau. Et le meuble, ben, je pense qu'il doit tenir avec du silicone et une cale. Voilà. Donc, c'était pas du provisoire puisqu'elle est bien vissée. Thierry n'est pas très content. Après seulement 15 jours d'occupation, sa maison présente une multitude de petits défauts. Elle a pourtant été refaite de pied en cap dans le cadre d'une émission de télé-réalité. C'est tout beau, tout rose, ce qu'on voit à la télé, ça brille. Mais quand on vit dedans, ça n'a rien à voir. Moi, j'ai accepté, c'est surtout pour les enfants. Ils aient eu le confort et ma femme qui a une cuisine. Ma femme qui a une cuisine. Parce que moi, je ne pouvais plus, leur apporter. Et au bout du compte au bout du compte, je suis obligé de rattraper tous les travaux. La catastrophe, parce qu'on peut ranger son aspirateur. Mais bientôt, on continue comme dans l'ancien temps. En effet, si sur un écran, le résultat avait l'air très bien, dans le réel, les bénévoles et les artisans qui sont venus travailler gratuitement sur le chantier n'ont eu que 21 jours pour tout faire. Et Thierry ne leur en veut pas, le travail était important, il est surtout en colère contre la production. S'ils continuent l'émission, il faut qu'ils arrivent à gérer mieux ça, c'est tout. C'est pas d'avoir 60 personnes sur un chantier, ça avance pas plus vite. Hein. Du côté du producteur, on rappelle que tout cela est gratuit et repose sur de bonnes volontés. La télévision qui diffuse son programme n'est pas un cabinet d'architecture ou une entreprise de bâtiment. Nous, on leur dit précisément pourquoi on est là. On leur dit précisément comment les choses vont se passer. Maintenant, comme ce sont des gens qui sont dans des situations difficiles, ils entendent souvent la partie... un peu rose de l'histoire, et ils n'entendent pas qu'il y a un delta au-delà duquel on ne peut pas être. Vous préféreriez être dans l'ancienne maison ou dans celle-là?
une maison qui regroupe. Moi, je... Thierry envisage de porter plainte position. Contre le responsable de l'émission. Putain, non mais c'est ouf quand même. Alors, la vidéo résume assez bien le fond du problème, bah, c'est que voilà, ouais, c'est ça. Des travaux, ben ça se fait pas en 15 jours, 3 semaines. Étonnant. Et totalement gratuit en plus. Bah oui, c'est ce qu'a la production préalpha aussi. Bah, c'est leur défense aussi. C'est des bénévoles, c'est des. Oui, mais c'est qu'à un moment, il y a aussi des normes de sécurité en fait. Et c'est pour ça que les maisons se font pas en 2 semaines. Ouais, c'est action, ouais. Se fait avec la pub qui a diffusé. Puis ils font plaisir, hein. Ils amènent Grégoire quand même, mon gars. Oui, c'est ça. En plus, c'est des shows, quand c'est caritatif, en général, enfin, caritatif, ça amène du bon cœur. Ça amène souvent plus d'honneur parce qu'il y a vraiment une période où. Ou comme ça, l'aide à la personne, ça portait vraiment le public, tu vois. Bah, on était post-crise, hein. C'est ça. Donc, il y avait des bonnes intentions. C'est ça. Des bons sentiments. Écoute, le meuble, c'est comme le paiement en visibilité, au bout d'un moment, ça. C'est ça, tu vois. Ça casse. Écoute, je te paie en visibilité. C'est gratuit. Donc, il y avait les familles qui ont porté plainte, hein, d'une part. Après, moi, quand j'ai creusé, alors, je vais pas m'enfoncer dans des termes techniques par peur de dire des bêtises, mais j'ai trouvé également des témoignages d'artisans, de gens qui étaient du milieu, qui avait de sérieux doutes sur la crédibilité des travaux qui ont été menés. Problème sur de VMC qui pouvait mener à une prise d'humidité trop grande. Enfin, et qui risquait de poser plus de problèmes en fait, qu'ils en avaient avant. Je peux citer le non-respect de temps de séchage, par exemple, pour couler une dalle, de par les délais qui sont imposés par la production. Même son de cloche côté bénévole. Donc il y a jusqu'à 100 de bénévoles qui se marchent dessus. Donc forcément, bah, déjà, il y en a peut-être qu'une 10 qui est vraiment active, les autres sont là pour apparaître sur coucou, l'image. Coucou, t'as vu, je suis là. Voilà. C'est ça. En même temps, quand t'as 600 bénévoles dans un 12 mètres carrés, c'est compliqué, tu vois. Ouais, c'est ça. Dans l'émission de 45 minutes, j'ai une anecdote pour le coup, parce que le gars, enfin, l'homme de la famille, il avait un collègue qui connaissait depuis 5 ans la situation, il savait que c'était critique et tout. Et il me disait, j'ai envie de dire, mais pourquoi t'as pas proposé ton aide il y a 5 ans ou... Il n'y avait pas les caméras de télé, voilà. il y avait pas Grégoire. Les caméras, quoi. Ouais, j'ai pas la flemme. Et lors d'un énième rebondissement, genre, oh, comment on va faire? Je vois littéralement le mec qui sort d'un buisson, genre, ah, oh, j'ai une idée. Si on contactait telle personne pour nous venir en aide. Enfin, et le mec, il vient et il sauve la situation, quoi. Oui. D'accord, ouais, il n'y a même pas de suspense, voilà. Quoi. Il n'y a même pas de suspense, non. Les professionnels ont des doutes, les bénévoles ont des doutes aussi. Du point de vue de la famille, comme exemple, il peut y avoir une famille qui avait témoigné, enfin qui a fait un long reportage dessus. On a tiré jusqu'aux larmes en fait, au moment où l'équipe télé débarque, qu'on fait répéter l'histoire de la mort des parents, de la mort du chien, de la maladie, de tout ce que tu veux qui peut être dramatique. Et puis au moment où il y a les larmes qui semblent, hop, allumer les caméras. Wow, voilà, mais ça c'est connu. Il y a pas qui font ça. Hein. Il faisait, enfin c'était déjà un peu le principe de striptease. Il venait, il restait 3 semaines avec les caméras chez les gens. Et puis ils allumaient quand ils pensaient que c'était. Il y a certains, il restait plus de 6 mois ouais. Avec la personne hein, pour vraiment capter tout ce genre de moments. Ouais, puis c'est juste, ils filmaient vraiment très tard. En fait, ils attendaient pour que le mec s'habitue. Pour c'était l'alarme qui était cherchée chez la personne et non pas l'authenticité. Donc cette famille, elle témoigne également sur le contrat, tout simplement, qu'ils n'ont pas eu le temps d'étudier. Donc forcément, ils n'ont pas ils maîtrisent pas les termes techniques. On leur a pas forcément laissé le temps de bien l'étudier comme il faut. Autre exemple sur le fait qu'ils utilisaient une cheminée. Donc ça, après le témoignage, ils avaient précisé qu'ils voulaient garder la cheminée parce que en fait, ils s'en servaient à défaut d'avoir du chauffage. Pour faire la cuisine. Ils faisaient cuire les pizzas, ce genre de choses, à la place du four. Et bien, la place, la cheminée, elle a été condamnée. Et puis, ils ont mis tout un tas de radiateurs qui consomment à balles d'EDF. Ah, putain. Ouais, c'est encore plus bâtard qu'ils bouchent la cheminée et qu'ils mettent aucun radiateur. Tiens, là, mange tes mains. Désolé, on n'avait pas eu le temps. Tu veux ta pizza, tu rentres chez Domino's. C'était pas chier. Ah ouais, merde, putain, les fumiers. Donc, côté TF1, évidemment, la ligne de défense, c'est oui, mais c'est gratuit, ils crachent dans la soupe, c'est un non-respect pour les bénévoles. Oh, je la source, un article Voici. Donc du grand journaliste. Citation de Julien Courbet, qui admet quand même en faux que toutes les familles rappellent la production TF1 pour des malfaçons et ils reviennent et s'arrangent, on va dire, hors caméra, ouais. Hors procès. Oh, et je finirai par cette phrase, toujours de Julien Courbet, protecteur de la veuve et l'orphelin, n'est-ce pas? Les 7 péchés capitaux. C'est ça. Je continuerai à produire cette émission qui cartonne.
C'est la seule que je regarde sans me lasser, devant laquelle je pleure à chaque fois et que je montre à mes enfants en leur disant « Tu vois, papa, quand il va se coucher, il va être fier de lui. » Oh, oh là là là. Mais c'est pour, mais c'est ça qui a perdu la, enfin, c'est ça qui a causé la perte aussi de l'émission. C'est-à-dire que, à force d'avoir trop de problèmes, oui. Les mecs, en fait, ils en avaient plein. Ouais, ça me rappelle un peu l'émission Pimp My Ride aux États-Unis. Ouais, mais excusez-moi, Grégoire. Ils pas dans le besoin, quoi. au niveau des véhicules, si, genre, ils avaient vraiment pas de thunes pour avoir des véhicules potables et on leur propose, vas-y, attends, on va remettre en forme ta voiture. Sauf que, en soi, ils font juste la surface, ils font un OK quel moteur, c'est-à-dire que t'as, si t'as un moteur qui est vieux de 30 ans, t'auras toujours un moteur vieux de 30 ans. En plus de ça, t'as genre, ils font des trucs, des fois, c'est dégueulasse, mais ils te forcent à surréagir en mode, oh, je suis trop bien. Content. C'est ça, non, mais t'as des jeux... genre, il y avait un mec. Merci, Exhibit. Genre il était non mais le mec il était un peu en surpoids obèse, c'est un américain tu vois, et non. Les mecs ils lui ont foutu une machine à barbe à papa dans le coffre de sa voiture. Mais quelle bonne idée. Mais bonne idée tu vois. Et pareil tu vois dans le stade initial de sa voiture, des tubes de maillot, ils avaient proposé des papiers de bonbons dans sa voiture en mode ouais c'est tout sale, c'est tout dégueulasse. Ok. Et du coup ouais, c'est un peu la même histoire, c'est à dire que c'est gratuit, on donne des trucs qui des fois ils les reprennent, tu vois, des fois ils mettaient des écrans, ouais, écran 16 pouces devant le pare-brise comme ça tu vois pas la route mais tu peux voir Fast and Furious, c'est mieux. qui ils les reprenaient par la suite. Mais des fois ils mettaient des trucs totalement inutiles mais sans jamais réellement apporter une aide au véhicule, tu vois, le véhicule restait à chier, tu vois. Et du coup t'as eu pas mal de plaintes de personnes qui se plaignaient, qui ont fait des pétitions, des procès à l'émission, et je pense que c'est un peu comme cette émission, c'est ça qui a contribué à sa chute. Et ça, le fait que Exhibit est allé en prison, je crois. Hein? Non, je crois pas. J'en ai aucune idée de ce qui se passe aux États-Unis. J'en ai pas grand-chose à faire. Ok. Ok, il nous a envoyé une patate chaude. Jean-Michel engagé. C'est de la merde. Ok, Balavoine. Bah, il y avait un gros goût de déjà vu parce qu'on avait fait District 9 qui est sorti en 2009, en septembre 2009. Oh, donc, ça du coup, donc, je vais vous laisser le faire avec moi. Vous allez essayer de vous souvenir ce qu'il y avait en 2009. Oui. Bon, bah, moi, je dis rien, mais je vais essayer de faire deviner les autres. Ah, non, mais j'ai pas pris les mêmes. Donc, tu te souviens de ce qu'il y avait en 2009. Ah. Par exemple, le podium. Ta gueule, toi, regarde pas. Ouais, je vois si d'où tu poses tes yeux là. De District 9, tu veux dire? District 9, ouais. En 2009, il y avait Black Eyed Peas avec. Non, c'était pas le podium. Le podium. Daft Punk. Non. Il y avait pas. Merde. Pharrell Williams. David Guetta. Le premier, c'est un français. David Guetta. C'est une chanson francophone. Grégoire. Non. C'est une sorte de. Qu'est-ce que j'ai mis? Encore malade, Renaud. Non, non. Ed Pokora. Non. C'est une sorte d'un peu faux reggae français, quoi. Pierre-Paul genre Jacques. Genre la cool avec du surf et tout. Tom Frégé. Oh, Tom Frégé. Putain, j'y ai pensé. Donc, il est plus premier. Oh. Au début, en fait, il a fait top 1. Non, et puis après, il a fait une chanson, puis après... Enfin, top merde, quoi. Mais, ouais. Ouais, mais non, voilà. Si tu veux pécho en soirée, il n'y a rien de mieux. Une blonde. Alors ça, c'est plus, on n'est plus dans le top, là. On est dans les... Non, attends, c'est pas ça. Une blonde. Une française. Non. Madonna. Non. Britney Spears. Christina Aguilera. Non. Britney Spears. Non. Putain, vous l'avez dit toutes. Mister. Lady Gaga. Pink. Oui, Lady Gaga. Ah, elle est blonde, elle a pas toutes les couleurs. Et Nothing Else I Can Say. Ouais, voilà. C'est le clip où elle est à Brooklyn avec un truc italien, tout ça. Oui, c'est ça, ouais. Non. On avait aussi ceux que je surnomme les Magic System Mark Leader Price. Oh, Magic putain, System en moins bien. Magic System en moins bien. Nul. Tout ça, je vous épargne. On va pas se réécouter. Hein, on va mettre de la nouveauté quoi, dans ce truc-là. Mais... Attends, Magic System en moins bien. Ouais. C'est un nom de groupe ou c'est. Non. Magic System en moins bien. C'est pas le. C'est un groupe. Collectif. Oui. Mais t'as regardé. Non, avec Laisse-toi les bébés, il y en a qui sont quand même abonnés absents. Une star de la chanson française tout en finesse qui a fait un album avec Evangélie récemment. L'autre, là, Zizi, là, je sais pas quoi, là. Ah, Francky Vincent. Alors, Francky Vincent était dans le top en septembre, mais ne l'est plus en novembre. Oh. Avec quoi il était dans le top? C'était mon zizi, je crois. Oui, c'était Tu veux mon zizi. Oui. Tu veux mon zizi. Oui, oui, oui. Septembre 2009, 36e place. C'est en voilà. Je crois que c'était beaucoup plus vieux, ça.
Non, 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 bah non, bah c'est. Ah, il a disrupté le système. Mais c'est parce que c'est en temporel. Ouais, ça, ouais. Ah, en 2020, ça passe tranquille. C'est vintage, mais l'année où c'est sorti, quoi. Déjà. Toujours pas dans le top, ça, c'est la grosse, grosse déception, quoi. Qui était toujours pas dans le top? Enfin, qui était en septembre, mais qui sont plus en novembre sur le top 50 que je vais faire. Non, un truc bien? Non. Ah, c'est un des trucs les plus dégueulasses que j'ai jamais fait de toute ma vie, quoi. Ah, j'ai les voix de Daya. Ouais. Ah, j'étais sûr, parce que c'est un truc qui t'a choqué. Ouais. Les voix de Daya, c'est. Là, les voix de la Terre. Bah, t'écouteras les des enfants qui chantent en chœur, là, dégueulasse. Ouais, ah, les Kids United. Ouais, je connais. Non, c'est pire. L'année a été marquée par la mort d'un chanteur français également. Ah, je pense. Renaud? Non. Mais non, mais non, il est toujours vivant, toujours debout, mec. Putain, un chanteur français mort en 2009? Ouais. En novembre 2009. Il a fait Julie Lescaut, il me semble, après. Philippe des Too Bichuis. Ouais, ouais. Ah, non, Philippe Nicolique. Voilà, qui était décédé. Voilà, décédé. Voilà. Donc, ça, c'était District 9. C'est quasiment pareil avec Bienvenue à Zombieland. Donc, je me suis juste concentré sur d'autres choses. Hein. Pour le podium, c'était Jen Ali avec J'aimerais tellement. Après, on avait Edward Maya et Vika Gigulina avec Stereo Love. Et ouais. The Black Eyed Peas avec Meet Me Halfway. Voilà. C'était pas leur pire de l'album dégueulasse. Ça allait, je trouve. C'est nul, mais c'est bien fait. On avait toujours Mika avec Rain, qui était en cinquième place. Mika. Ouais. Ça, c'était Mika avant qu'il soit jury de... Ouais, à peu de choses près, ouais. Donc voilà, j'en ai déjà parlé de ce que je pensais de Mika. Donc réécouter l'ancien épisode. On avait Cascada avec Evacuate the Dead Floor qu'on va pas écouter parce que je vous encule. Mais est-ce qu'on peut mettre Every Time We Touch? Ouais. Mec, il est même pas dans le top 50. Balek. Hein? C'est même pas dans le top 50. Ah, mais t'as prononcé le mot interdit, c'est terminé. T'as activé la malédiction du Cascada. Comme moi, tu le mets, je fais grève, hein. Mais j'annonce, tu le mets, je me casse. Non, je termine pas ma chronique. Tu exerces ton droit de retrait. Continue, mais 49-3. Ah, j'attends. Non, t'inquiète, il mettra. Je fais mon droit de retrait, ouais. Et s'il va le mettre, il est en train de se marrer, donc. C'est très gentil. Absolument pas. J'espère que vous avez kiffé mon top 50. Genre en l'antenne. Ok. Ah, qui marche pas parce que la connexion est mignonne. Mais non, c'est tragédie, t'inquiète. On va s'écouter un truc pas mal. Fils de pute, putain. C'est ma maman aussi. Il y avait, alors, à cette époque, il y avait une fille qui est sortie, enfin, que j'ai connue, qui a fait un truc. Ta gueule. Il y avait une chanteuse qui a sorti un album à cette époque et on n'a pas trop réentendu après. C'était Pixilot et c'était assez cool, franchement. C'était un peu typé néo-soul et tout. Ça, on va s'écouter ça. C'était en 16e place avec la chanson Mama de Ovo. J'ai rien à dire. parce que je connais pas trop, je connais juste cette chanson, j'aime bien. Il y avait aussi Cœur de Pirate avec Comme des enfants. Oui, voilà. Je la suis sur Twitter, elle est très drôle. Ouais, très drôle. Ouais. Elle met des gros taquets un peu comme Julien Doré. Ouais, comme Julien Doré. En fait, c'est pas forcément les meilleurs artistes qui sont les plus drôles en fait. Mais après, en vrai, c'est pas dégueulasse, tu vois, ça va. Non, il y a pire. Il y a Louane. Moi j'étais assez, friand de ce genre de truc, tu vois. Julien Doré, tout ça, à l'époque. À l'époque, tu vois, genre pour ce qui passait à la radio, je trouvais que ça faisait le taf. Ouais. On passe au résultat de l'Eurovision. Bien sûr. À votre avis, qui représentait la France en 2009? Sébastien Tellier. Non. C'était pas la Fatale Picard? Non. Patrick Sébastien. En 2009? Ouais, en 2009. Fais nous rêver, JB. Alors là, j'en ai aucune idée. Ok, merci, JB. To be free. Mais non. Son prénom c'est Patricia. Yes. Ouais. Oh la merde. Oui. Maman était folle. Alors, on va écouter la chanson. Les saucisses. C'est moi. En France on déprime. S'il fallait le faire. Ah, c'est pour ça qu'on a perdu. J'arrêterai. Yes, c'est fini.
T'as pensé qu'elle chante comme ça? Ouais. Elle se masturbe la gorge. Elle est assise sur un vibro. Pour te plaire, tu continues. Chacune. Quand tu parles d'amour, j'en parlerai aussi. Que tu regardes encore dans le fond de mes yeux. Que tu y vois encore. On arrive à la 8ème place. On arrive à la 8ème place. Ouais, ah ouais, ça va. On fait mieux que Bilal. C'est plus nul. Alors, on a reçu le prix de la meilleure prestation à Scénic. Ah ouais? Ouais. Donc ça, voilà. Restait bien au milieu de la scène, ouais, sans bouger du tout. Elle est toute seule et t'as genre des sous-titres qui est dans toutes les langues qui traduisent la chanson, quoi. Et c'est la Norvège qui a gagné cette. L'ordi? Hein? C'est l'année où l'ordi a gagné, non? Non, la Norvège. Non, c'est Alexander Rybak. Avec Fairy Tail. Fairy Tail. Fairy Tail. J'ai dit Fairy Tail. Fairy Tail, il a dit. Le mec, il chante avec un clip, ça, où le mec, il est en train d'essayer de brancher la Fairy Tail. Oh putain, c'est trop bien. Donc voilà. Bon, en vrai, l'Eurovision, on s'en tape comme d'hab en perd. C'est un peu la période des prix, là, pour le cinéma et tout. Voilà. Donc on va donner un prix. Le Kevin du top 50. À votre avis, il va à qui? Le Kevin. Kinvé. Le Kevin. Ouais, le Kevin. Non, c'est pas Kinvé. Oh. Kevin, c'est Kevin. Désolé pour le Kevin, mais c'est le truc de beauf, quoi. Ah, le Cassos du top 50. Ah, le Cassos. Ah oui, je vois c'est lequel, mais je vais Kevin Spacey? Non. Bumpy Ride? Top 50. Non. Kevin Costner? Non. Colonel Ryan. Il est américain. Jared Leto. Ah, bah, ils étaient tous les deux. On parle d'un acteur ou d'un. Un chanteur. Non, non, c'est chanteur, la musique. Un acteur américain qui s'appelle Kevin. Non. Putain, mais. Mais tu comprends pas le second degré, c'est pas possible. David Hasselhoff? Non. Non, en 2009. Et c'est un chanteur, c'est pas forcément un acteur. Qui est sur, c'est un acteur, enfin, un chanteur qui était dans le top 50 en 2009, quoi, mais qui faisait la musique de beauf, quoi, genre, Jared Leto, quoi. Patrick Sébastien? Il était chauve, ouais, avec des lunettes, un cool costume, tout, quoi. Ah, Pitbull! Ouais. Ah, bah. Ah, c'est Retail Room? Non, c'est face à là. C'est un mieux. T'as découpé le truc plus nul, plus kéké, bon, quoi. Ah là 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 là. Après, quand je l'ai nouveau, je suis sûr que ça passait. C'était dégueulasse. Ça me rappelle les soirées en boîte. Dégueulasse. Ah, les soirées en boîte, ouais. Ah ouais, les soirées. Avec Kamoura, c'est pas si mal que ça. C'est aussi agréable que de la pisse dans les oreilles. Oh, punchline sorti. Et on avait aussi agréable que du vomi dans les oreilles. Les jumeaux Célé Sao. Putain, les jumeaux Célé Sao avec Zoomé. Les jumeaux Célé Sao. C'est ça que je voulais dire. Mais c'est pas. Il y a des couteaux. C'est pas le couteau. Tout le monde va zoomer, zoomer. Ah putain, c'était ça. Yeah. C'est parti. Ah, c'est un truc. Ouais. Tout le monde a en vrai, ça rappelle tellement les soirées boîte de nuit. Moi, ça me rappelle rien du tout, franchement. Ah, mais Aya Nakamura n'a rien inventé. Le roi, je ne voulais déjà rien dire à l'époque. Ah, bah, c'est oui, impressionnant. Tu veux dire que ce n'était pas mieux avant? Non. Mais y avait... Là, c'est pas vraiment avant, quoi. C'était il y a 10 ans. Il y avait la prochaine de ma vie, alors voilà, c'est avant. Il y a toute une mode un petit peu de je viens d'un pays où il fait chaud et oui, tout, tu vois. C'est vrai, il y avait genre. C'était Balada, des trucs comme ça. Ouais, et des trucs en espagnol. Oui, c'est pas à l'époque où il y avait de la musique en espagnol. Les mecs qui habitaient à Clermont-Ferrand, du coup, quand ils montaient à Paris, ils disaient ouais, je viens du sud et tout. C'est ça, exactement. Tout à fait. Ouais, c'est ça. Alors j'ai une petite surprise pour vous à la fin de ce top, mais avant on va passer sur les trucs bien.
Satel est sorti des bons albums. Alors, Cascada. J'ai regardé un petit peu partout. J'ai regardé pour voir ce qui était à peu près sorti, un peu sur Wikipédia. Et j'ai regardé sur les orques. Gardez ça dans un coin de la tête. Ah. Alors, dans les trucs pas mal qu'on avait, on avait Anthony and the Johnson avec The Crying Light. Anthony and the Johnson, c'est un mec qui a une voix vachement perçue, vachement chelou, mais qui fait de la folk super top. Après, on avait également The XX avec The XX. Album. Voilà. Qui était pas mal, moi, le premier album. J'adorais l'intro. Même il y avait Crystallized et tout, c'était cool. Il y avait un groupe que j'adore qu'on va écouter là pour changer un peu de la merde qui passe derrière. C'était The Dead Weather avec New Pony. Je vais vous expliquer ce que c'est. C'est un groupe qui a été créé par Jack White des White Stripes. Il y avait notamment Lucien Mozart de The Kills qui chante au chant. Et le guitariste aussi des Queen of the Stone Age, mais j'ai oublié son nom. Jack White est à la batterie sur ce groupe. Il a un groove assez sympa. Ouais, il chante quelques pistes aussi. Hein. Ouais, aussi. Et franchement, c'est un putain de bon groupe, quoi. Il a fait en gros 3-4 gros projets, donc lui en solo. White Stripe, The Raconteur et Dead Weather. Et en vrai, pour moi, Dead Weather, c'est le seul truc vraiment cool avec White Stripe qu'il ait fait. Enfin, c'est vraiment génial. Il y avait des titres super cool. Ouais, si vous avez même une demi-heure à perdre, regardez, ils ont fait un concert privé pour Canal Plus. Ouais. Et ça rend vraiment. Enfin, c'est la folie, quoi. J'ai vraiment beaucoup de temps à perdre. C'est. Bon, après, tu dois pas aimer en vrai. Si, si, en vrai. J'ai regardé, donc il y avait tous les. Pourquoi les Orocs? Parce que j'ai regardé chaque chroniqueur donnait son top d'album pour lui dans les meilleurs albums 2009, quoi. Et Dead Weather est apparu qu'une seule fois sur tous les chroniqueurs. Par contre, il y a eu deux trucs qui sont apparus plus de fois. C'était Black Eyed Peas et Gossip. Ah ouais, Gossip, si ouais, ça passe. Non, mais Gossip, ça vaut pas un super groupe comme ça, toi. Genre, c'est, enfin, pour moi, c'est. Après, c'est du rock. C'est une super grosse production avec des rostas et tout. Toi, Gossip, elle vient un peu de nulle part. Elle a fait un album. Elle est allée un peu nulle part aussi. Hein, tu vois, on la voit. Ah, si. My bad. Désolé. Non. Mais elle cartonne. Elle est très très bien sortie. Hein. Ok. Peut-être autant que Jack White maintenant, quoi. Jack White c'est Jack White, mais il peut se balader dans la rue, personne ne le reconnaît, tu veux. Ouah, je pense. Si. Enfin, clairement, c'est une star d'un autre temps. Oh. Mais la fame est très limitée, surtout dans notre génération où ça va de plus en plus vite. En fait, tu peux apparaître en tant que star comme aussi rapidement que tu peux disparaître, tu vois. Ouais, bah là, il a passé un raconteur, il a été complet en moins d'une. Qui? Tom Frager. Mais des mecs comme ça qui ont fait un album, une musique et puis c'est tout, il y en a des. C'est ça, il y en a plein. Non, mais après, Jack White, c'est quand même un mec qui a quand même fait un gros coup de fourmilière pour le rock dans la musique dans les années 2000, si tu veux. Mais après, c'est vrai que passé 2010. Ouais, c'est ça. Il y a que les initiés qui connaissent. Ouais, tu vois, Jared Leto est plus populaire. 30 Seconds to Mars est plus populaire. Malheureusement. Non, mais malheureusement, c'est ça vrai. Hein. T'as les gens qui vont dire c'est qui lui. Ils vont mettre Jared Leto, tu vois. Il y a des mecs qu'on a oublié aussi qui sortent un album, c'était Phoenix. Ah bah, eux, je les ai pas oubliés. Bon, par contre. Avec Wolfgang Amadeus Phoenix, du coup. Avec. Comment ça s'appelle le titre le plus connu? Lithomania. Donc là, 19. Et l'Assaut aussi. Ouais. Ouais, voilà, un album bien pété, quoi. Mais je l'ai mis pour vous faire plaisir, quoi. Après, on avait Sonic Youth avec The Eternal. Et c'est un album. On parlerait pas de Phoenix plutôt? Ouais, c'était les sorties albums de trucs à peu près potables. J'ai la petite surprise pour la fin. Il y a un groupe des années 90 qui est revenu en 2009. À votre avis, un groupe culte phare des années 90, votre avis, c'est qui? Des années 90? Alors, ça va pas être Nirvana pour des raisons. Non. Les Foo Fighters? Non. Non. Alors, un groupe culte des années 90. Cali ou pas Cali? Bah, Cali, j'imagine. C'est une bonne surprise. C'est de la merde, mais bon, voilà, c'est Madeleine de Proust, tu vois. Français, américain, suédois. Suisse? Non, le groupe estonien. Exact, je crois que suédois. Attends, faut que je regarde. C'est pas le duo entre Alliage et. Non, c'est pas ça. Pour le pays, je vous demande un instant. Non. Ace of Base. Non. Cascada. Non. C'est le mec qui force.
Je veux mon cascada. Ah non, ils sont dano-norvégiens. Mmh. Mmh, Patrick Tipsit. Originaire de Copenhague. À cascada? Il l'a dit. Oui. Il l'a dit. À quoi? À quoi? À quoi? Qui revenait du coup en 2009, qui revenait dans le top 50, mesdames et messieurs, à la 39e place avec Back to 80s. Quoi? Back in the Ronald Reagan day. When we put satellites in space. When boys wore skinny leather ties. Whoa, like Don Johnson from Miami Vice. When Eminem was just a kid. Oh. Oh, la rythmique. And Michael Jackson's skin was black. Back when the coolest thing in store. Whoa, was Commodore 64. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour parler du film Bienvenue à Zombieland. hervéturfu@gmail.com pour le service après-vente, Twitter, Facebook, Instagram, retourvalturfu pour nous suivre, retourvalturfu.com pour retrouver tous les épisodes de RVLT et du début de la fin. Partagez un maximum l'épisode si ça vous a plu. Bisous et cultivez-vous, bordel de merde. Allez, ciao.